parti. On a remonté le mouillage. 6 mètres de fond. On va envoyer le génois. Et le moteur tourne toujours. On vient de remonter le mouillage. Contrôle de la bosse d'enrouleur avec le pied. Là. Pas que ça parte trop fort. Nous avons 15 nœuds devant dans les rafales humaines. Avec le pied, ça le fait, le contrôle. Quand tu n'as pas trop de vent, regarde, hop, tu lèves le pied, hop, 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 et tu rappuies, et ça déroule. Et ça déroule. Voilà, on va fermer, voilà. Allez, on part contourner la montagne du Lion, la colline du Lion. Bye bye, ce beau mouillage. On peut dire tranquille, en effet, solitaire. Aujourd'hui, une petite 5000 à faire, une dizaine, j'allais dire même pas, 5-6000 maxi. Pour aller, on l'a vu avant-hier, lorsque nous étions en haut, à Palmera. Et pourquoi aller à Palmera? Parce que c'est là-bas qu'on doit faire les papiers de sortie du Cap-Vert. Là, Santiago ou à Mindelo. Il n'y a que 3 îles sur lesquelles les faire. C'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Trouver, deviner pourquoi on l'appelle la colline du Lion, la montagne du Lion. On l'a vu sous toutes ses faces, droite, face et gauche. Bon, mais tant pis. Eh bien, nous, on va devant. Là-bas, il y a un mamelon, une autre colline. C'est là, Palmera. 10, 8 nœuds, on a envoyé un peu de toile. Là, on fait un cap direct, là, c'est parfait. Seul à la Marseillaise, il est bon, mon tabasco. Pour me gâter, on va y aller comme ça à l'économie. Hein. Un chalut, il y a quelques chaluts comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des chaluts, mais des bateaux de pêche. Voilà. Un bateau de pêche, alors, il carbure là. Hein. On marche à 4 nœuds 3 pour faire ses 5 nœuds. Il tire sur le bourrin. Petit point sur l'effet du sable sur les équipements. Alors la capote, je l'ai brossée avant-hier. Il n'y a qu'à voir là. C'est plein plein de sable à nouveau. Là j'ai bien brossé. Belle capote NV. Et alors après sur les... Voilà. Tu vois ici sur la sangle, là, sur les coudes de grande voile. Partout, partout, du sable, du sable, du sable. Regarde là. Là, j'ai brossé un entier. Alors, que dire ici? Je l'ai brossé avant-hier aussi, je l'ai rincé, c'est impressionnant, regarde ça, de ce côté elle est orange, de ce côté elle est rouge. Et là alors si je passe la main, et on n'est pas encore en Afrique.
Les belles voiles blanches, elles vont rentrer jaunes. On va virer de bord, nous voilà face à Palmera. On est arrivé d'en bas là-bas. Une petite heure et quart de navigation. 1h24. Quelques petits virements de bord pour me présenter au-dessus du port, au-dessus du vent. Parce que je peux pas trop faire autrement, quoi. Et approche du port. Voile. Synthèse. Eh bien, nous y voilà. Palmera. Vu d'ici, c'est sûr que c'est pas le plus beau mouillage du Cap Vert. Wow. Allez, on va arrêter le moteur. On a laissé tourner une petite demi-heure pour recharger un peu parce qu'il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. L'état des glaces, malheur. Le mouillage ici, voili voilou. Parti là. Et remonter. Partir de là. Le vent venant de là. Je pensais faire un seul bord pour rentrer sur le port. Mais non, il a fallu que j'abatte. Mais là, il y avait le bateau aussi. Non, ici. Tup, zap, zoom. Et nous voilà là. Ce qui nous fait 7007 en 2h03. Moyenne 3.7. Palmera, nous voilà. Premier matin à Palmera. Ça souffle. Il y a bien sûr toujours un peu d'air, mais le même air, même direction, même orientation. Et ben on a eu des arrivées ce matin à Palmera. Ce cata là, qui est venu à côté du Tabasco. Et derrière Hervé, comme voit avec sa casquette rouge qui va nous faire coucou, il y a un mono qui est arrivé, un RM, magnifique RM. Nous, là, ce matin, on va partir faire l'eau pour les cuves du bateau. Hier, j'ai fait l'eau potable avec des bidons de 5 litres, là, les bouteilles de 5 litres, donc j'ai pris 15 litres. Et là, je vais prendre 3 fois 22 litres d'eau pour remplir les bidons. Ça se passe sur le quai, on est parti. Alors, je viens de sur le cata, mes nouveaux voisins là-bas. Et par discrétion, bon, j'ai pas filmé. Et puis, je viens de dire bonjour aussi aux nouvelles arrivants de ce matin. Donc, Hervé et Michel. Et puis, Michel est un visionneur sur YouTube. Donc, ben voilà, ça vous donne l'occasion de sortir la caméra, de leur souhaiter la bienvenue ici. Et donc, vous arrivez des... Là, on arrive des Canaries. Voilà. Là, on est parti. De Corse, ah bon, ah bien. De Corse, Sardaigne. C'est des pays, comme on dit, des pays. Ils viennent de Méditerranée, c'est rare. C'est rare. Forme les mimosas. Non. Ah, et des Varois. Form... Je ne suis pas de Corse, non. Je viens de Nouvelle-Calédonie. Oh là là, encore plus exotique. Encore plus exotique. Oh, projet ambitieux. Bravo. Bon, bah, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Bienvenue ici. Avec. Si, je fais comme...
Je fais comme si c'était chez moi ici et tout, alors que moi je suis vraiment aussi fait de passage. Le mec il s'approprie le truc. La mer est à vous. La mer, voilà, la mer, on la partage, elle est suffisamment grande. Bon, moi j'étais parti pour faire de l'eau. J'avais rendez-vous à 9h avec, comment il s'appelle ? Ah, son nom m'échappe. Puis je sais pas quelle heure il est, j'y suis toujours pas. On va y aller. On fait ça, no stress, à la mine des lots. Non, à la... Bonne journée. Alors voilà le mouillage de Palmera. C'est sympathique. Que des voyageurs, quelques sédentaires, des vies, des parcours. C'est intéressant. Et là, on va aller dire bonjour à des connaissances. Et faire de l'eau aussi. Il va bien falloir le faire à un moment ou l'autre. Bateau qui me salue, les touristes, pour déjà la coupe à la main, boivent un coup. Moi j'ai salué l'équipage de Cap, ce magnifique ovni, Mathieu et son épouse. Je vais faire de l'eau, j'avais rendez-vous à 9h, il est 10h au moins, et ça c'est à la Cap-Verdienne. No stress. Et là on rentre dans la zone des pêcheurs. Voilà, hier soir j'ai mangé, gentiment invité spontanément, par Marianne et Franck, sur les stars, ce beau petit bateau, enfin petit, petit mètre, que j'avais rencontré à la Gomera, dont j'avais fait connaissance à la Gomera. Voilà le poisson, les touristes aussi. Voilà, elle me fait coucou, la dame, dans l'eau, là, sur le quai. Alors il y a quand même beaucoup de touristes ici, enfin pas mal des touristes, parce que c'est les tours opérateurs qui les amènent. Voilà, nous on met l'annexe ici. Voilà là, le poisson. Bon, vu que j'avais rendez-vous, mais que je suis vachement à la bourre, ben, j'ai demandé à ces gens-là, et très gentiment, ben, ils sont allés chercher le Jasper ou le VTT en question. Waouh, ça va pas être léger celui-là. Donc on attend le gars pour faire l'eau. Alors là, c'est Rochas, le monsieur avec qui va me faire l'eau. Alors Rochas. Et là, on est dans le dépôt des moteurs des pêcheurs. Voilà, le soir, ils remisent leurs moteurs ici. Il y a des box, c'est vachement bien organisé. Waouh. Hop, la petite dame. Et voilà. Voilà la halle. Alors, qu'est-ce qu'on a attrapé? Oh là 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 là. Tout c'est tout. Impressionnant. Voilà comment il fait l'étanchéité, Rochas. Comment? Il fait l'étanchéité, tranquille, il se casse pas la tête. No problème. Ah, no problème. Comme dit? Tu es mon ami. Pas de problème, tu es mon ami. Pas de problème, tu es mon ami, quelque chose comme ça. Compliqué de tout bien comprendre. Ben, les enfants m'ont aidé, un enfant m'a aidé à embarquer. On m'a passé un jerrycan, m'a enlevé la mare, ils sont gentils, ils sont avec un petit sourire, c'est adorable, adorable. Un ciel ce soir, il est 18h30, extraordinaire, un ciel de feu. Alors ici, je ne sais pas ce que ça veut dire au point de vue météo pour le lendemain. Mais heureusement qu'on est à l'abri. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Mais c'est bon. Bonne soirée, une bonne journée avec plein de rencontres aujourd'hui. Pas toutes filmées, bon ben pas tout toujours filmé, hélas. Mais une belle journée encore. Le village, le mouillage.
Il est 10h du mat. Et le mini Tabasco des jerrycans vides. Et derrière moi, ici, la raffinerie et c'est aussi la station service. On vient chercher le gasoil. Donc tu vois, c'est vraiment pas loin. Voilà, c'est fait. Ils sont là. 50 litres de gasoil. Merci Hervé. Ce sont les bidons d'Hervé. Parce que moi, j'ai pas la place de stocker des bidons de gasoil. Pas découffé. Et pénurie ici aussi, parce que j'ai entendu dire qu'en France il y avait, bon c'est pas une pénurie, c'est une pénurie organisée, c'était des grèves dans les raffineries. Alors ici ils sont pas en grève, mais il n'y avait pas non plus de sans-plomb, enfin d'essence. C'est un gros quart d'heure, une petite demi-heure. Il faut savoir ici, je vais peut-être me répéter, mais tout se fait, mais tranquillement, lentement. Sans transpirer, quoi, tu vois, c'est zen, avec le sourire, ils sont aimables. Alors aimables, mais en même temps, ils ne rentrent pas dans les explications. Non, il n'y a pas d'essence, pas d'essence. Il y en a un qui me dit oui, il y a essence, l'autre il me dit non, tu sais pas qui a le vrai du faux, mais à la sortie, bon, tu n'as pas d'essence. Ils ne t'expliquent pas pourquoi tu n'as pas d'essence, ni rien. Voilà. Mais sinon, c'est tout avec le sourire, avec une certaine grâce. Voilà, c'est hyper sympa. Ils ont même... C'est des gars, ils sont souvent costauds, quoi, un peu comme une timidité, un peu de pudeur à parler, à te regarder. C'est vraiment un comportement, j'allais dire étrange, mais aussi attachant. Ce sont des gens, ouais, attachants. Bon, fini de tchatcher, bon, Pierrot, il faut rentrer les 50 litres dans le mini et mettre tout ça sur et dans les cuves du Tabasco qui se trouvent là-bas. Je viens de transvaser mon gasoil. La question c'est que j'ai pris 50 litres de gasoil et il en est rentré à peine 20, 19. Heureusement j'ai trouvé preneur. Des 30 litres qui restent. Les bidons, c'est Hervé, surtout Daubem, ici présent, qui me les a prêtés. Et lui, ben, il ne veut pas en stocker. Ce n'est pas des bidons de bonne qualité. Donc il a fallu que je trouve preneur. Heureusement, nos amis du RM là qui partent cet après-midi. Vas-y. Alors eux sont preneurs. Donc voilà mes preneurs de gasoil, ils sont là. Et en plus, notre ami ici présent regarde la chaîne aussi. Hein, tu regardes les vidéos, tu vois. Voilà, il regarde. Donc vous partez cet après-midi pour le Brésil. Sur l'île qui est en dessous. Ah d'accord. On fait la transat et on va sur le nord du Brésil. Sur ce beau bateau, qui est un, alors c'est... Alors c'est un RM 1360. On va lui demander où est-ce qu'il va avec ce bateau. Je le ramène dans mon pays de résidence. C'est-à-dire aux antipodes, donc de l'autre côté de la Terre, qui est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. J'ai entendu Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Normalement c'est Panama, les Marquises, ouais, les Haïti, absolument. Et voilà, donc on va passer par le sud. C'est tellement plus simple. Exactement. On va chercher le fond. C'est-à-dire les cadeaux de... Les cadeaux de Patatou. Bon. Eh bien, bon courage. Enfin, bon, c'est pas du courage. Bon plaisir. Bon plaisir. Et là, il y a son homme de main. Il faut dire qu'il a l'air sympathique comme ça, ce capitaine ou quoi, mais c'est... Comme j'en ai un peu marre, moi je vais m'arrêter là, je vais le laisser y aller. Tu as la marre de te faire exploiter, hein, c'est bien ce que je vois. Tu fais tout pendant que tu discutes. Oh ben voilà. Ah ben, non, un équipage bien sympathique, comme tous les équipages qu'on rencontre ici. Et donc voilà, ben, c'est lui qui est intéressé par mes bidons là. Et ça, c'est bien cool, parce que sinon j'étais un peu emmerdé avec cette histoire. Ah ben voilà. Eh ben me voilà ici. Le mini est là, rebelote. Les pêcheurs arrivent, préparent le poisson. Et moi, je suis attendu au fond là-bas, au resto, par des têtes connues. On va les retrouver. J'avais dit qu'il y avait que des têtes connues ici, mais celui-là, on ne le connaît pas encore. Pour celui-là, c'est Jaïr. Ah ! Ça, c'est Jaïr. Et Jaïr. Ah non, on ne te connaît pas encore là. Et Jaïr, c'est quelqu'un d'important pour moi, mais surtout pour le Tabasco. Surtout. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi on va se rencontrer à nouveau, enfin se rencontrer à nouveau, et présenter Jaïr. Ou alors on le dit tout de suite. Comment elle s'appelle ? Tabasco Chanel. Chanel. La chaîne YouTube Tabasco.
Ouais. J'ai échappé de l'ordre de part. C'est vrai ? Oui. J'attends un bateau de 40 pieds qui va me chercher ici. D'accord. Ouais. Et donc ? Il vient de. Pas de France. C'est anglais. C'est quelqu'un qui me connaît ici, qui a fait deux fois ici. Attends, on va couper. Hein. On reprendra l'explication de la présentation de Jaïr. L'explication de la présentation, ça veut dire. On reprendra la présentation de Jaïr et pourquoi il est très important pour Tabasco. Mais là, on discute. À tout à l'heure. Et puis voilà aussi les gens autour de la table qui sont que des têtes connues. Ça te rappelle pas San Sébastien de la Gomera, tout ça ? Voilà. Ils étaient tous là. À tous nos amis. Et maintenant, c'est Caverdien. C'est Caverdien maintenant. Et maintenant, c'est Caverdien. On s'adresse à tous nos amis. C'est la voilà. Chef de port à Palmera. Jaïr, c'est le chef de port à Palmera. Voilà. Non, non. Allez, Franck. Franck, c'est le chef de. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Mes respects, monsieur le chef de port. C'est l'ambassadeur français ici. Ah, bien, très. Très bien. Alors, je suis fier de mon ambassadeur. Tous les enfants connaissent, toutes les personnes te connaissent maintenant. Ouais. Quelle chance on a, les Français, d'avoir un ambassadeur comme ça. C'est bon qu'il a resté avec nous. Il fait professeur ici. Ils s'en vont, ils s'en vont. Au revoir. Bon vent. Et ils sont partis sur Boa Vista, un peu plus bas. Et après sur le Brésil directement. Bonga. Deux Bonga. Voilà. Alors là, je suis avec mon pote Roberto. Dis hello. 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 Il m'amène au club. Pour voir le match de foot que j'ai demandé, et puis Roberto est passé par là, on s'était déjà dit bonjour, et il m'a dit allez, je t'amène. Non, c'est pas vrai, c'est une dame qui lui a dit tu connais Roberto, emmène-le. Donc il m'amène au club. Je sais pas où c'est. On va voir ça. Ah, c'est là. Ici ? Ah, ok. Obrigado. T'es bibir Coca-Cola ? Si ? Allez, viens avec moi. Ah ben voilà, c'est là, le club. Alors là, il devrait y avoir une télé et on va voir le match. Alors le match, quel match ? Ah, OM Benfica, pardi. OM Benfica. Hop, attention. Alors j'ai demandé au monsieur, là, ils m'ont expliqué où c'était. Enfin, mes copains et mes copains, ils m'amènent. Allez, go, on y va. Comment ? Porto ? Non, l'OM, Marseille. Francia. France. Si, Paris. La France. Non, Marseille. Et où Paris, Paris. C'est par là. C'est par là. Non, non, moi je suis mon ami. Allez, viens, Roberto. On y va. Allez, Roberto, je suis Roberto. Allez. Anderson. Ah, Anderson, Piero. Port 11. Et toi? Port Maquin. Bon. Des fois, je comprends pas tout. C'est ça qui est embêtant. Alors, donde? Là. Là. Je crois qu'on a trouvé. Mes copains, ils m'ont trouvé. C'est là. Ah, c'est là. Bien, bien. Obrigado. Bon tardé. Voilà, on y est. Et alors, tu veux un coca? Coca-Cola? Si? Allez, ok. Et toi aussi, il fallait le trouver celui-là, hein, parce qu'il n'est pas grand. Hein. C'est un petit bar. Ça va être chaud l'ambiance. Ça va être chaud. Plus de bruit dans le bar, ils sont calmes, c'est impressionnant. Parce que là, l'OM vient de marquer 1-0 et ça se joue au Portugal. Et c'est intéressant parce qu'eux supportent tous le Portugal, évidemment. Ici, c'est pas fini, ça joue très mal. Ah. Ben voilà, c'est là que. Là. C'est là que ça se passait. Bon, l'OM a gagné. Marseille.
et on va se rentrer gentiment. On va faire un petit tour en ville.